Bonjour, terminons les à côté du Prime 4 par le point de ce qui s'est passé toute cette semaine. Tout de suite, le récap. Depuis un peu plus d'un mois, ensemble, nous partageons des émotions grâce à ce programme de télévision. C'était encore le cas le samedi dernier, lors du Prime de l'opposition Marcory Seguela que vous avez suivi sur RTI1. Mais avant, nous avons assisté à une séance de répétition. Mais juste en bas, les vagues sont faites par des participants. 3, 2, 1, fini! Un passage à la régie nous a permis de découvrir une autre facette de ce qui se fait de ce côté-là. C'est quoi votre rôle? Ici, c'est le poste ingénieur de la vision. En fait, on règle la colorimétrie des caméras. Alors, comment ça se passe? Ouais, ça se passe bien. C'est pas mal, on essaie de faire ce qu'on peut, voilà. Dites DJ, qu'est-ce que vous faites? Je suis en train de préparer les mix pour les pom-pom girls et puis un maximum de mix pour faire plaisir à la foule qui sera là. Et donc on se prépare un tout petit peu avant l'enregistrement normal, et puis voilà. Tout était quasiment prêt. Au fur et à mesure que nous approchions de l'heure H, la foule affluait sur le site. Tous voulaient participer à l'aventure Interville. Tu es là pour quoi? Je suis là pour assister à l'émission Interville. Tout était fin prêt. Le public a pris place dans les gradins et l'ambiance commençait à monter. Comme d'habitude, avant le début des épreuves, il va chauffer le public, histoire de faire monter la température. Pendant ce temps, dans leur loge, les deux équipes attendaient d'en découdre. Du côté des accessoiristes, on préparait les costumes avant le début des hostilités. Et ça, c'est le mur des champions. Alors, le mur des champions, donc c'est la finale. Alors, ils se mettent. Ça, c'est la tenue des filles. Une fois de plus, nous sommes passés voir nos très chères pom-pom girls dans leur loge. Et c'était toujours le même rituel, se faire belle avant d'entrer en scène. Dis Yves, dans quel état d'esprit tu es? Ça craint un peu, mais on est des professionnels. On peut surmonter ça et ça va. On va donner du spectacle, on va donner du bonheur, on va donner de la joie de vivre. La Côte d'Ivoire renaît de ses cendres et nous, fils et filles de ce pays, sommes fiers de participer à cette renaissance. Citoyens du monde entier, amis jeunes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir! Qu'on vienne du nord, qu'on vienne du sud, qu'on vienne de l'est, qu'on vienne de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Bref, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette autre manche d'Interville Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous! Prière de recevoir l'entrée de l'équipe de Marcory, ils arrivent! Une équipe chaleureuse, dynamique! Ils vont vous battre ce soir! J'entends rien! Tu vois la chaleur! J'entends rien! À la rencontre de l'équipe de Seguela! Salif, bonsoir! Ben Salif, tranche! Salut public d'Interville, nos deux équipes n'ont aucune inquiétude à avoir, je resterai neutre jusqu'au bout. La course au coffre, et c'est maintenant. La course au coffre, un chrono maxi de 3 minutes. On commence avec l'équipe de Marcory. 3, 2, 1, go! Première équipe à s'élancer, donc l'équipe de Marcory. On se tient debout sur l'île avec son bateau. Voilà, il va y arriver. Le bateau... Debout, bon. Go! C'est une jeune fille, je crois. Le premier star à un garçon. Il faut également qu'elle arrive à se tenir debout. On se tient debout sur l'île avec son bateau.
attendons que Marco vienne. En planche. Avec les jambes, ça va go. Super vite. Oh là là. 2 minutes 40 secondes. C'est bon, il est arrivé. 4, 3, 2, 1. Terminé pour Marco Ri. En 2014, restez connectés au meilleur. Bonne année! MTN, every way you go. Le prochain jeu. Le prochain. Le 110 mètres est. 3, 2, 1, go! Et le top est donné, top départ pour la course du 110 mètres. Et Marco Ri est devant. T'as vu, t'as vu les chaussures? Ah ouais. Oh, ils sont chaussés en cossé comme ça. Waouh! Ah, l'équipier de Marco Ri a pris une bonne avance sur celui de Seguela. Voilà. C'est de l'autre, c'est de pouvoir gagner la médaille. C'est bon pour Marco Ri. C'est bon pour la médaille de Marco Ri. Il faut savoir ce qu'il fait. Quand même. Oh non! Et j'ai c'est bon, il est parti. Il refait. Voilà. Voilà. Le triple obstacle. Il y est. Et c'est est, bon. Il y est avec sa médaille. Il faut rappeler qu'on go. A trois courses. Ah, bah dis donc, le candidat de Seguela. Regarde ce bout de Marco Ri. Découvre avec son adversaire. Marco Ri. Marco Ri. Marco Ri. Marco Ri. On descend. Marco Ri. On passe par la voie de l'autre côté. L'autre côté. L'autre côté. C'est pas évident. Il n'est même pas arrivé au milieu qu'il a sauté pour récupérer sa médaille. Il est sorti de cette parade. Mais dis donc. Il est descendu. Bravo. Troisième et dernière course achevée. Toi, dans quel état d'esprit tu es? Le moral n'est pas haut. On est serein et nous allons pouvoir remporter cette épreuve-là. En quoi va consister la prochaine épreuve? Il y a des détails peut-être que je ne maîtrise pas. Bon, le jeu, c'est, il est nommé ventricule, ventriglisse. Pensez-vous pouvoir remporter cette épreuve? En tout cas, nous sommes motivés, donc j'espère qu'on va remporter ce jeu. Nous lançons l'épreuve suivante. L'épreuve suivante, le ventriglisse. C'est maintenant. 3, 2, 1, go! Le premier candidat s'était lancé. Et c'est un candidat de Seguela. On a sa distance. Go! Ensuite, le candidat de Marco Ri s'est lancé aussi. Il est loin derrière. Deux points pour chaque équipe, c'est-à-dire Seguela 2, oui. Marco Ri 2. D'accord. La compétition continue. Mais bien sûr. L'édition spéciale, c'est notre prochaine épreuve. Et c'est maintenant. 3, 2, 1, go! C'est parti donc pour cette édition très très spéciale. On commence bien sûr par les candidats de Seguela. Le premier candidat s'était lancé. Aïe. Attention. L'équipe de Seguela essaie de tenir bon. Oh là là. Ah c'est bien. C'est bien. Premier candidat. 2 minutes et 35 secondes. En dessous. Le premier obstacle semble... Au-dessus. C'est bon. Semble facile, voilà. Ah, s'il y arrive, ce serait génial. Non, mais il repart. Qu'est-ce qu'il fait? 5. Je suis curieux de voir comment il réussit à se lever. Terminé pour Seguela. Alors, comment ça s'est passé? Bon, il faut dire que c'est l'équilibre. Bon, vraiment, le jeu est très intéressant. Il faut dire qu'il y a l'équilibre qui compte et l'intelligence. Bon, je vous remercie. Merci. Score provisoire, 8 pour Seguela contre 6 points pour Marco Ri.
8 pour l'équipe de Séguéla contre 6 pour Marcory. On gagne, allez, il reste retour maintenant. Le mur des champions, on gagne. L'arrivée donc des champions pour ce qui concerne cette dernière épreuve ultime et décisive qui est le mur des champions. Sans plus tarder, place au jeu. 3, 2, 1, go! C'est parti donc pour ce mur des champions. Séguéla devant. Ensuite, Marcory qui suit. De Séguéla. Champion. Attaque le mur. Tandis que Marcory arrive derrière. Il a une bonne petite avance. Oui. Même si le champion de Marcory ne peut pas se laisser faire. Il y est presque. Il y est. Séguéla. Et là, c'est bon. Séguéla. Et là, c'est bon. Séguéla. Et là, c'est bon. Séguéla, Séguéla. Séguéla remporte Interville ce soir. Première participation, Marcory, un mot. Franchement dit, c'était pas facile. Vu que d'abord mes collègues, en tout cas, se sont donnés à fond. Pour une première participation, vraiment, je les félicite. Bravo donc à l'équipe de Marcory. Alors Capi, comment on se sent après cette victoire? Vas-y. Je voudrais demander à toutes les autres équipes de se faire des amis. Nous sommes venus pour nous amuser. Oui. On doit se faire des amis. Avant de compétir, on a sympathisé et après on va continuer à sympathiser. Voilà. On est ensemble. Ouais, très belle image. Belle image, voilà. Belle image. Très belle image d'Interville. Interville, c'est de la joie, c'est de la fête, c'est de la musique. Raison pour laquelle on va s'amuser en terminant. On va bien sûr en compagnie de notre DJ essayer de fêter cette victoire là de Séguéla. Allez, c'est tout pour cette semaine. Demain à 21h, le Prime 5, toujours sur RTI 1. Bye. Banda que da wakisu, mere mere, baba que da talonya nolo, mere mere, o mexi vale kuyoka, mere mere, baba que da sangosina, mere mere, hey.